Just allowing people to join, and I'll let you know. Just give it a few seconds, and Claire, and I'll let you know. Tu veux t'asseoir à côté de moi? Okay, Anglia, let's make a start when you're ready. Bonjour à tous, merci beaucoup à tous les participants de participer à ce side event organisé par la CPS dans le cadre de la 10e conférence pour la conservation de la nature et des aires protégées. Comme vous le savez, la crise mondiale de la biodiversité constitue une menace existentielle, pour reprendre les mots du directeur général du PREU, pour les habitants des îles du Pacifique. Cette crise ne peut être déconnectée du développement socio-économique. Des actions intersectorielles transformatrices sont donc absolument nécessaires. Et nous devons tous, collectivement, nous engager à concilier le développement socio-économique et la protection de la nature et des cultures par le biais d'engagements réels. Chaque île du Pacifique a ses propres enjeux de développement, mais beaucoup sont communs à la région. En tant qu'organisation régionale, la Communauté du Pacifique, qui est la plus grande organisation internationale scientifique et technique du Pacifique, travaille à la fois au niveau régional et national pour aider ses membres à atteindre leurs objectifs de développement. Et donc pour rester à l'écoute des pays et des territoires du Pacifique et pour parvenir à une amélioration réelle et durable de la vie des populations, elle s'attache à travailler avec tous les membres, à tous les niveaux, pour fournir des services intégrés qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs de développement dans le respect de l'environnement et de la culture. Cette session aujourd'hui va permettre donc de présenter les orientations stratégiques et les priorités opérationnelles fixées par les pays et territoires du Pacifique. Elle va également permettre de montrer des exemples concrets de projets que la CPS met en œuvre en conciliant développement socio-économique et protection de la nature et des cultures dans les pays et territoires du Pacifique. Elle permettra également de présenter l'approche intersectorielle de la CPS pour aider les membres à atteindre leurs objectifs. Et elle nous permettra de partager et d'apprendre à partir d'exemples pratiques et de retours d'informations. Donc, je remercie mes collègues de la CPS de prendre part à cet événement. Et donc, je vais vous présenter brièvement les personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Tout d'abord, Edward Boydell, de la division stratégie, performance et apprentissage. Donc, Edward est conseiller en conception de programmes, innovation et apprentissage à la CPS. Il a grandi à Fidji. Il a une formation dans le domaine de l'adaptation communautaire et écosystémique. Et aujourd'hui, il dirige les efforts de la CPS pour concevoir des projets intégrés et intersectoriels qui rassemblent les forces de toutes les divisions de la CPS afin de mieux servir nos pays membres et la région du Pacifique. Le deuxième présentateur sera Clément Gandet, qui est coordinateur des projets agricoles et forestiers au sein du projet Protège. Clément est agronome, actuellement donc coordinateur du secteur agriculture-forêt du projet Protège, qui est un projet qui est mis en œuvre par la CPS. Un projet de coopération régionale entre les quatre territoires d'outre-mer européens du Pacifique et financé par l'Union européenne. L'objectif principal de Protège est de construire un développement durable et des économies résilientes au changement climatique en se concentrant sur la biodiversité et les ressources renouvelables. L'objectif du volet agricole est d'initier une véritable transition agroécologique afin de mettre en place une agriculture adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversité, et en particulier une agriculture biologique, et de garantir que les ressources forestières
soit géré de manière intégrée et durable. Notre troisième intervenant, Watisoni Lalavanua, de la division pêche, aquaculture et écosystèmes marins. Donc, Watisoni, que l'on appelle Sony, est le responsable de la gestion des pêches communautaires de la division pêche de la CPS et il est originaire de Bua, dans les îles Fidji. Avant de rejoindre la CPS, il était responsable des pêches au sein du programme de la Wildlife Conservation Society à Fidji, où la plupart de ses travaux portent sur la gestion des ressources avec les communautés locales de Fidji. Il travaille également en étroite collaboration avec les pêcheries nationales de Fidji sur la gestion plus large des pêches côtières. Notre quatrième intervenant, John Carrion, de la division géosciences, énergie et services maritimes de la CPS. John est actuellement stagiaire dans la division GEM de la CPS. Il travaille sur un projet régional, Reach to Reef, qui est géré par l'unité de coordination du programme régional, qui assure à la fois la coordination, le renforcement des capacités et qui gère la plateforme de partage des connaissances pour ce programme. Ce programme est une initiative du FEM qui comprend plusieurs domaines d'intervention faisant intervenir plusieurs agences du FEM dans plusieurs pays. Ce programme guide l'investissement des subventions du FEM dans ces 14 pays. Et ce programme a été développé pour offrir une réelle opportunité aux petits États insulaires en développement du Pacifique pour développer et mettre en œuvre des approches intégrées pour le développement durable des économies et des économies insulaires et des communautés insulaires. Pardon. Donc, merci beaucoup à nos quatre intervenants d'être présents aujourd'hui. Les experts de notre division seront ouverts aux questions et aux échanges sur ces approches stratégiques, bien sûr. Et plus d'informations est également disponible dans le boost sur la plateforme Ubilo pour pouvoir à la fois échanger plus longuement avec nos intervenants et pour avoir plus d'informations sur chacun des programmes. Je vais donc laisser la parole à Edward. Je vous remercie. Thank you, Anne-Claire. My presentation today will provide a strategic perspective on how SPC is working in ever more integrated ways that are supporting biodiversity and conservation outcomes in the Blue Pacific region. This is timely because just last week, SPC's member countries endorsed the Pacific Community Transition Plan, Response, Recovery and Transformation, which will guide SPC's work through these extraordinary times of COVID while laying the foundation for our longer term direction as an organization. A key focus of the transition plan is how SPC is addressing the linked and interdependent development challenges and drivers of change that face the region, demonstrating and responding to the need for a more systems level integrated work to address these challenges. The transition plan is guided by the Blue Pacific Vision and identifies four goals and six key focus areas that are linked by the themes of sustainable systems, climate action, and knowledge integration. These key focus areas have been shaped by analysis of member country plans and development priorities, COVID-19 assessments, SPC's mandate and capabilities, and other regional commitments. They represent a commitment to going beyond business as usual for SPC, to addressing development challenges using systems approaches. You'll notice that a key focus of natural resources and biodiversity is front and center. And another, a number of other areas, including Blue Pacific health, Blue Pacific economies and livelihood and food systems are also underpinned by island and ocean biodiversity and ecosystem services. By more closely integrating our work, we are maximizing the potential for impact, and we are bringing together science, data, and knowledge that can support practice and better evidence-informed decision-making. An example of this that I'd like to demonstrate is the Pacific Data Hub, which is a key example of how we are working across the organization to improve access to knowledge,
and data for decision making across the region. The Pacific Data Hub is draws on SPC science and knowledge across multiple domains, as well as a deep understanding of Pacific context and culture. And our convening power and strength of relationships with our members and our development partners. This recognizes the mandate that we have as an organization to establish sustainable data infrastructure for a public good. And I'll just demonstrate a few of the capabilities of the Pacific Data Hub, which may be of interest to those focused on biodiversity and conservation. Going to the website pacificdata.org, one of the first things you can see is the fact that we have over 5,000 Pacific data sets, 11,000 publications coming from across 78 organizations working for and with the Pacific region. And one of the easiest ways and entry points is just a simple search. So if we go into coastal biodiversity conservation, we can see over 3,000 data sets and publications related to this topic, which can then be investigated further by clicking on links to member countries, specific topics and tags. I'd like to also extend our special thanks to SPREP, who are presenting a parallel session at this point, because the Pacific Data Hub has been developed in close collaboration with our regional partners and other regional organizations. And we harvest live from the Pacific Environment Portal a number of resources related to environment and biodiversity, as well as the networks and systems of a number of partners and organizations, so that no matter where you're coming from, you're able to find what you're looking for. Another way that you can interact with the Pacific Data Hub is through dashboards, including the Sustainable Development Goals dashboard. Through this dashboard, you can look and see the key indicator data sets for Pacific Island countries and territories related to the SDGs. So for instance, if we go to SDG 15, Life on Land, you're able to see country by country indicators related to the SDG 15 targets. These are all housed by SPC's databases, which draw on our client data that's being shared by Pacific Island countries and territories. The Pacific Data Hub is just one example of how SPC is working together in more integrated ways to support outcomes for our member countries and territories in the Pacific region. And so I leave it to you now, to my other colleagues, to give some more specific examples of some other areas of our work. Thank you very much. Merci beaucoup, Edouard, pour cette présentation rapide mais extrêmement claire, qui nous permet de voir que même au niveau d'une organisation régionale, les mots résilience et adaptation ont tout leur sens. Ce plan de transition démontre en effet la capacité qu'a la CPS à s'adapter aux contraintes actuelles. Merci également d'avoir présenté ce NDC Hub, qui est une ressource publique de données particulièrement utile et qui permet à tous de mieux comprendre notre région. Je vais maintenant passer la parole à Clément, qui va vous faire une petite présentation sur le réseau des fermes pilotes. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une des actions un peu emblématiques du programme Protège, qui, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Anne-Claire, est mis en œuvre par la CPS et le PRO également sur le volet espèces envahissantes sur l'ensemble des territoires européens de la région. Donc, je vais vous présenter. D'abord, on va commencer par une petite présentation. Donc, au niveau de ce réseau, donc, ce réseau est basé sur l'agroécologie. Alors, pourquoi la CPS accompagne les territoires européens de la région sur l'agroécologie dans le cadre d'un projet de changement climatique? Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce projet a été élaboré en concertation avec l'ensemble des territoires. Et ce qui est ressorti, c'est que un des biais pour accélérer la résilience au changement climatique qui touche ces territoires répartis depuis la Nouvelle-Calédonie à l'ouest jusqu'à la Polynésie française à l'est,
c'est les impacts du changement climatique avec des changements sur les températures, les précipitations et également des nouveaux cortèges de ravageurs qui apparaissent et qui posent des problèmes au niveau des champs. Donc l'idée, ça a été d'utiliser l'agroécologie comme vraiment levier du renforcement de cette durabilité au niveau de la production et également pour maintenir aussi la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Donc cette agroécologie doit avant tout s'appuyer sur la biodiversité dans ce qu'on appelle les agrosystèmes. Donc par en fait biodiversité, on s'intéresse évidemment dans un premier temps aux plantes alimentaires, essayer de maximiser la diversité des plantes, mais également les variétés cultivées, mais également de travailler sur tout ce qu'on appelle les plantes qui rendent des services écosystémiques. Donc c'est renforcer les plantes qui sont des plantes utiles, donc au niveau des insectes utiles, les auxiliaires, mais également les plantes qui vont permettre d'améliorer la qualité des sols. Ensuite, cette biodiversité, elle doit nous permettre également de travailler sur nos ressources durables, qui sont le socle de notre sécurité alimentaire, qui sont évidemment la ressource en eau, en maintenant des débits suffisants dans les cours d'eau pour pouvoir maintenir la vie dans ces rivières et éviter de les assécher par un recours trop important à l'irrigation. Mais c'est également la biodiversité dans nos sols. La biodiversité dans les sols est souvent peu visible, mais elle est nettement plus importante qu'au-dessus du sol. Donc, c'est travailler sur des sols avec une forte biodiversité pour pouvoir maintenir des sols en bon état. Et qui dit des sols en bon état, dit une alimentation de qualité en quantité et nutritionnelle. Donc, ça passe par un gros travail sur la matière organique, de valoriser nos ressources, notre biomasse, sous nos climats, qui est très importante. Et enfin, on s'appuie sur les pratiques traditionnelles, puisqu'en fait, l'idée, c'est de partir des pratiques qui avaient été développées pendant un siècle avant la révolution agricole des années 70, mais également de s'appuyer sur la science pour en fait voir comment optimiser, documenter et mieux connaître ces pratiques traditionnelles pour pouvoir ensuite les diffuser et les vulgariser auprès de l'ensemble des agriculteurs. C'est pour ça qu'on va travailler sur les associations de plantes dont j'ai parlé tout à l'heure, la diversité des plantes cultivées, mais également tout ce qui est système agroforestier, donc partir de l'agriculture vivrière traditionnelle océanienne et d'essayer également d'augmenter sa diversité et sa résilience. Donc, pour faire atteindre tous ces objectifs ambitieux, au sein de Protège, nous avons mis en place un réseau d'une trentaine de fermes de démonstration. L'idée de ces fermes de démonstration, c'est qu'un agriculteur est toujours plus convaincu par un autre agriculteur et que plutôt que faire des essais dans des stations de recherche, il était plus pertinent de faire venir les chercheurs dans les champs des agriculteurs. Donc, à l'issue d'un processus de sélection, nous avons sélectionné une trentaine de fermes, 13 en Nouvelle-Calédonie, 7 sur les îles de Wallis et Futuna et 7 en Polynésie française, sur quasiment tous les archipels de ce territoire, pour d'abord mieux connaître les pratiques qui étaient mises en œuvre et ensuite essayer, comme je disais tout à l'heure, de les documenter, de travailler, de créer une alliance entre chercheurs, techniciens et agriculteurs pour essayer de consolider et de récolter de la donnée aussi pour pouvoir inciter les collectivités, les autorités de ces territoires à aller vers plus d'agroécologie et donc du coup d'avoir d'identifier les leviers pour soutenir cette transition. Au résultat, au final, voilà la photo que je voulais mettre, c'est qu'on a réussi à voir dans ce réseau d'une trentaine d'agriculteurs une forte diversité à la fois d'agriculteurs, qui est la représentative de la diversité humaine et des modes de production dans le Pacifique, mais également des modes de production, puisqu'on va sur des systèmes vivriers classiques, à des systèmes extensifs, comme la photo que vous avez en haut à droite, qui représente un élevage bovin en Nouvelle-Calédonie, qui représente quasiment 90% de la surface agricole de ce territoire. Et l'objectif, c'était de travailler également entre savoir traditionnel, savoir moderne, et également essayer de trouver la bonne combinaison entre anciens et jeunes pour pouvoir également travailler sur la transmission des connaissances. Mais je pense que le mieux, c'est de passer la parole aux acteurs de ces réseaux. Donc, je vais vous passer un petit film rapide qui vous présente en fait le dispositif et qui donne la parole à des agriculteurs. Ça marche ? Non ? Ah, un instant. Clement, you will just need to reshare your screen. Et un appel à candidature. Yeah. Alors, perfect. C'est parti. Dans Protège, qui est un projet financé par l'Union européenne, nous avons une thématique agriculture et forêt, dans laquelle nous avons la mise en place d'un réseau de fermes de démonstration d'agroécologie.
qui a eu un appel à candidature lancé par la Chambre d'agriculture en octobre 2019. On a eu quand même 41 dossiers. Il y en a eu seulement 16 qui ont été sélectionnés pour rentrer dans un réseau avant tout. L'objectif de ces fermes de démonstration, c'est de recueillir de la donnée, ce qu'on appelle de la donnée technico-économique, pour en fait faire, un, la démonstration que l'agroécologie, ça marche, ça fonctionne, et ça peut faire vivre l'agriculteur, et que, deux, on puisse capitaliser les résultats pour ensuite diffuser et généraliser ce modèle d'agriculture. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la première rencontre en fait, du réseau des fermes de démonstration. On est là pour vraiment accompagner des agriculteurs qui sont dans une démarche d'évolution au niveau de leurs propres pratiques. On s'aperçoit que l'agriculture conventionnelle fonctionne bien, mais au niveau de l'écologie, de tout ça, j'ai envie de dire, il y a des choses à améliorer. Et seul, on a du mal à avancer sur ces sujets-là, parce que c'est assez complexe et on n'a pas forcément toutes les connaissances. Si on rejoint un réseau, c'est pour avoir des techniques qu'on ne pourrait pas acquérir autrement. Je voudrais essayer de mettre en place un système d'irrigation où on n'ait pas besoin d'utiliser un groupe électrogène ou quoi que ce soit pour arroser. Je me suis informé sur l'agroforesterie et la motivation dedans, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes choses par rapport au vivant, par rapport aux successions végétatives, à la régénération des sols. Rester sur cette détermination, cet objectif voilà, de penser à nous, de penser aux enfants, de penser à la planète. Seul, on avance vite, mais en équipe, en groupe, on avance généralement beaucoup plus loin. We have to be united and to work together and save this environment or this country, New Caledonia. Voilà, donc c'était un petit film sur la Nouvelle-Calédonie, sachant que le programme est sur l'ensemble des trois territoires, mais comme on est accueilli dans le cadre de la conférence par la Nouvelle-Calédonie, je vous ai mis un petit film sur la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, je vais finir par vous présenter un peu les perspectives qui vont suivre ce projet. Je me remets sur ma petite présentation. Et donc, la suite, ça démarre. Voilà. Et donc, en fait, dans le cadre de ce projet qui était assez innovant sur l'agroécologie, on a souhaité pouvoir capitaliser et évaluer les pratiques agroécologiques au niveau de leur performance et de leur transfert. Donc, on a mis en place un partenariat avec la FAO sur une méthode qui s'appelle TAPE, qui a été pour la première fois utilisée dans le Pacifique, qui permet un peu d'évaluer les trajectoires en agroécologie et de faire ressortir des enseignements pour pouvoir soutenir les politiques publiques et établir des programmes de formation pour diffuser l'agroécologie au sein de l'ensemble du monde agricole. C'est pour ça qu'on travaille dans le cadre de ce programme étroitement avec les associations d'agriculteurs, mais également les administrations agricoles de ces trois territoires pour pouvoir transmettre les connaissances et qu'à l'issue du projet, elles se saisissent de l'agroécologie et que ça infuse au sein des dispositifs d'accompagnement et de développement de l'agriculture. Et enfin, nous avons mis en place un partenariat avec nos collègues de la division des ressources terrestres de la CPS, le LRD, un projet miroir qui va être soutenu par l'initiative Kiwa, portée par l'Union européenne, la France et plusieurs bailleurs de fonds internationaux, qui va permettre de déployer ce réseau qui a commencé initialement dans les territoires français et européens du Pacifique, de le dupliquer chez nos voisins et de favoriser les échanges sur les pratiques agroécologiques à l'échelle de l'ensemble du Pacifique. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup Clément pour cette présentation très inspirante. Je retiens de cette présentation que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. C'était les paroles d'un des agriculteurs qui a été interviewé. C'est un exemple très illustratif d'un mode d'apprentissage par les pairs qui en fait favorise à la fois, qui se bâtit dans un climat de confiance et de connaissance fine de la réalité. Donc merci pour cet exposé. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Sonny de la division pêche qui va vous présenter un projet également de gestion des pêcheries communautaires du Pacifique. Merci beaucoup.
Thank you, Anne, for your kind words of introduction. Good afternoon. Good afternoon, all. I would like to extend my welcome to everyone that are listening to this side event on which approaches to use to develop an integrated regional framework. I'm speaking on scaling up community-based fisheries management in the Pacific. I'll start with a little bit of background on coastal fisheries and its importance in the Pacific Island countries and territories. Recent studies reveal that 90% of our Pacific populations live within 5 kilometers of the coast. Other studies also reveal that coastal fisheries provide 50 to 90% of protein to our rural communities. And also this is evident in communities' fish consumptions, where many of the Pacific Island countries are found to exceed the global average of 16.6 kilograms per person. Apart from its significant contribution on nutrition, it's also an important source of livelihoods and income to Pacific Island countries and territories, especially in local communities. Coastal fisheries is not only important to us Pacific Island people in terms of food, income, and livelihoods. It also supports our local culture, customs, our way of life, and even our identity. It also supports us during unexpected events such as disasters, and even during the current COVID-19 pandemic. Again, this does shows the importance of coastal fisheries to us Pacific Island people. Although it's an important fishery to us, but it receives less attention compared to other fisheries as tuna or other sectors such as tourism, or even other issues such as climate change. Apart from the importance of coastal fisheries, there are challenges that affects in which requires individual and collaborative efforts in addressing this. This includes overfishing, marine pollution, unsustainable coastal development, and even climate change and disasters such as cyclones. At the institutional level, it requires more significant investment in terms of staff and budgets into coastal fisheries management. This is required at both the national and subnational level. On top of these challenges, population of many Pacific Island countries are growing, and the need for coastal fisheries resources are increasing, but the resources itself are declining. The questions that we need to ask ourselves in the Pacific, what can we do to raise the importance of our exploited coastal resources? Or what approaches are appropriate and effective for our Pacific Island countries to help manage our coastal resources? To slowly respond to these questions, one thing that we do know is that our local communities, who majority of them lives 5 kilometers from the coast, and have customary rights over fisheries resources, are the front line of managing our coastal fisheries, together with other key environmental issues, including agriculture and forestry. And because of their long-term experiences, which is from generation to generation in managing environmental issues, they are well-versed in taking holistic approach or an integrated approach. So why not invest in them to drive the needed integrated approach? That takes me to my next slide on sustainable, well-managed coastal fisheries underpinned by community-based approach. Our leaders embrace on these challenges and work together in the spirit of Pacific regionalism to find ways to address our coastal fisheries issues. The visionary ambition of our leaders are shown in the endorsement of the regional roadmap for sustainable Pacific fisheries that was endorsed by the Pacific Island Forum leaders in 2015. And the new song for coastal fisheries that was developed by over 100 participants from the region at a regional workshop on the future of coastal fisheries. Both policies not only provide strategic directions in managing coastal fisheries, but it also provides the regional context for community-based fisheries management in the Pacific. A key emphasis of these policies, especially in the new song for coastal fisheries, is to scale up community-based fisheries in the Pacific. However, since its endorsement in 2015, it received less attention and slow progress compared to other issues in the region. In 2020, the pressure affecting coastal fisheries have been exacerbated by the impacts of travel and transport restrictions due to COVID-19. With significant job losses experienced, there's been an increase in internal migration from urban areas to rural outer islands and communities. This has resulted in an increase in people relying on coastal resources for food, income, and livelihoods through increased fishing and gleaning.
We hear of unsustainable fishing practices such as harvesting undersized or prohibited species, fishing in protected or managed areas, and others. In some Pacific Island countries, fisheries ban have been lifted to ensure fishers, communities, and other actors continue to have their food and livelihoods. Again, this has for the worsened the already overexploited coastal resources. All these experiences escalate the need for sustainable coastal fisheries managed underpinned by community-based fisheries management. One positive outcome of COVID-19 is that it has driven more discussion at the national and regional levels about the key role of community-based fisheries management. And there is a clear recognition by the heads of fisheries, as well at the ministerial level, of how important having effectively managed community-based fisheries are. This does revitalize the importance and the need to scale up community-based fisheries management as a key management approach promoted under the new song for coastal fisheries. And that takes me to my next slide on scaling up community-based fisheries management in the Pacific. While acknowledging that CBFM is a national responsibility, the approach has been embraced and has been implemented for many years by many countries in the region. However, these successes are limited to small pockets of effective management. The new song for coastal fisheries challenges the coastal fisheries sector in the Pacific and territories to find ways to scale up CBFM. In the spirit of the new song for coastal fisheries, scaling up means moving from small pockets of effective coastal fisheries management to meaningful proportions of the coastal environment. In scaling up, it is important to understand current key challenges on CBFM, and this includes inadequate human and financial capacity to support implementation of CBFM at subnational and national level, ensuring provision of simple and informative information to all communities to support them in making informed decisions about the management of their coastal resources and its surrounding environment. And where appropriate, and depending on the local context, it needs strong and appropriate legislation, policies, and plans that allows for the participation and empowerment of communities in coastal fisheries management. As I've alluded earlier, the future of fisheries and the new song for coastal fisheries provides the regional context for community-based fisheries management in the region. It also contains a range of ways to achieving scaling of CBFM, but the approach taken will depend on particular contexts, national policies and institutions, and current progress. To implement and support the recognition made by the heads of fisheries and by the fisheries ministerial level, SPC, through its Fisheries, Aquaculture and Marine Ecosystem Division, will be working with its members, regional and national CBFM partners, stakeholders, and practitioners to assess countries' status in CBFM, identify priority areas and potential strategies to achieving scaling, and ensuring that scaling up approaches are appropriate to country or local context. Out of this exercise, with the support of members and partners, a regional CBFM scaling framework will be developed. The framework will not only promote scaling up of CBFM, but also support the implementation of the new song for coastal fisheries from a CBFM scaling perspective. Dear colleagues and audience, to conclude, sustainable, well-managed coastal fisheries underpinned by scaling up community-based approaches is key in achieving food security, long-term economic, social, and ecological benefits to our communities. Thank you. Merci beaucoup, Sonny, pour cette présentation qui était extrêmement intéressante, qui nous permet effectivement de voir comment la division pêche peut venir accompagner le développement durable des communautés du Pacifique. Je trouve particulièrement intéressant d'avoir contextualisé cette présentation en indiquant qu'effectivement la COVID-19 avait accentué les enjeux pour les communautés insulaires et que ces communautés dépendant d'autant plus des pêcheries, il convenait effectivement de
d'adopter des approches qui permettaient d'assurer la durabilité des prélèvements dans le temps. On reviendra peut-être sur la dernière diapositive sur laquelle on est passé un petit peu rapidement, puisqu'en fait, il y avait des messages clés qui étaient extrêmement intéressants à partager avec les participants. On va passer maintenant à la présentation de la division géosciences. Donc, c'est John à qui je donne la parole, qui va nous parler donc du projet Rift to Ridge. Merci. Right. Am I good? Okay. So I'll be presenting on the spatial prioritization using a ridge to reef conceptual framework in Vanuatu. Why ridge to reef? So terrestrial protected areas and marine protected areas, they've been historically been designed regardless of downstream or upstream activities. So TPAs can promote downstream benefits when accounting for land and sea connections. MPAs may not be as effective when exposed to high land-based source pollution because conditions upstream are not considered. So there's this integration of land-sea connections into conservation planning on islands, which is important. So in this presentation, we'll be looking at the national scale approach and the local scale approach. So in the national scale approach, we're looking at the entirety of Vanuatu. And for the local scale approach, we're going to scale down to one key site. And we'll touch on the local R2R proposed management actions. So in the national scale approach, 17 main islands of Vanuatu were modeled. These represent more than 410 watersheds and 1,200 kilometers squared of coral reef habitat. So given that deforestation is the main driver for sediment runoff, we modeled sediment runoff to the shoreline from different deforestation scenarios using the sediment delivery module, which accounts for terrestrial geography. Then we diffuse the sediment into the marine environment using a plume model in GIS, coupled with marine geography datasets. To identify priority conservation areas that mutually benefit the land and the sea, we estimated the potential marine impact linked those to source watersheds. So from this effort, we obtained a ridge to reef decision support tool, maps of reefs vulnerable to sediment runoff, and maps of priority watershed areas. So just touching on the model, the Invest SDR. This is an open access Invest model developed for data pool region. It stands for Integrated Valuation of Ecosystem Goods and Trade-offs. So just a bit of technical work there. And for the sediment plume model, the sediment exports are assigned to the stream mouths. And this is to map the sediment plumes dispersed in the marine environment within 3 kilometers from the shoreline and incorporated that effect of depth and currents derived from global data sets. So tracing land-sea linkages. Now they have an overall understanding of the sediment and plume models. This is how we linked land use changes to potential marine impact. First, we modeled the sediment export and plume under present and each scenarios, which I will get to. Then we identify the coral reef areas exposed to significant changes in sediment for each scenario, and then compare that to the present scenario. And then lastly, we identified the watersheds supplying the most sediment, that is more than 40%, to those coral reef areas. Okay, so now the spatial prioritization. So to spatially prioritize on land, first we characterize the potential marine impact using coral percentage cover and fish biomass from existing empirical data provided by SPC. And then we prioritize the watersheds by potential marine impact
And then lastly, we identify the land areas exposed to significant change in sediment export under each scenario, and then compare that to the present. So now that was the national, and I said we're gonna go national and local. So local scale is the Tagabe reef to reef system on the located on Efate Island in Port. So you can see on the map, there's Tagabe watershed, and then you see the marine boundary in blue. So the watershed provides 100% of the drinking water to Port Vila. The reefs are a key source of protein for local communities, and it's highly vulnerable to rapid urbanization and growing population. So the local government and communities designed these management plans. This is to protect the water source and to restore the forest and nearshore fisheries for people's well-being. So this is the background of that as well. So continuation of the local scale, these are the relevant technical aspects of it. Also the invest, I mean, like I mentioned previously, now you can see the different scenarios as well and the different indicators, just to provide you some technical look. And then here are also some models. If I could just leave it there for a second. And now, so for the scenario analysis, so we predicted the distribution of the benthic and fish indicators under present and each scenario, and then calculated the indicators change for each scenario and then compared that to the present. And so if I could just invite everyone to look at the percentage numbers at the bottom. So 69% of native forest, 20% of grass shrubland, that's the, and all those other numbers at the top as well, those are the present scenarios. And then with Tagabe supplying the highest amount of sediment, 50% of it, as you can see, 760 tons per year. And so here's some more technical work. The interest of time, I'll just go towards, this is just, you know, under the present conditions, coral cover is more abundant in the Northwest. So these type of data that we have based on the indicators as well, total biomass of the of fish, and then there's a hard coral. Those are the benthic data at the bottom. So here are the marine closure scenario. After establishing the current fishing pressure, we determined that fish biomass can increase by 2.5 tons due to the marine closure. Under the restoration scenario, 1,330 hectares of native forest is restored, which result in a decrease of 210 tons of sediment export per year. And here's continuation of the restoration scenario. Please look at the numbers at the bottom. You see habitat quality, fish biomass in tons. And on the third one, that's with the marine closure. So here we have noticed that this scenario is totally different, and it's compared to the previous scenarios with increased sediment export per year due to the urbanization. So you can see under the urbanization scenario, human land use expands over 1,340 hectares, which result in 5,180 tons of sediment export per year. And here's some more data with the urbanization scenario. So as you can see in the second map, there's minus 6.7 tons, but with the marine closure, there's minus 5 tons. So marine closure does help, but as I mentioned before, in terms of it's all connected, the land-sea link. So just keeping that in mind. And so for the benefits of the reef to reef approach, overall there's a restoration of 1,330 hectares of native forest, which will improve groundwater recharge, improve water quality of the stream and the marine environment by reducing sediment runoff by 210 tons per year, helps restore the marine habitat up to 75 hectares, which in turn support higher fish biomass by up to 9.3 tons. So note that the normal urbanization is within the context of the projected scenarios in the spatial prioritization.
So just keeping that in mind. And so this approach can foster collaborative management between government agencies and communities, because it provides information to foster a dialogue between decision makers, and it can be applied as part of an iterative decision-making process. And this approach can support decision-making as well by identifying and prioritizing conservation areas at the national scale that can benefit both terrestrial and marine environments, and support local decision-making by testing policy actions and estimating potential outcomes prior to implementation. Thank you very much. That is my presentation today. Merci beaucoup, John, pour cette présentation extrêmement intéressante qui montre effectivement que la réputation de la CPS d'être la principale organisation scientifique et technique de la région n'est pas usurpée. Et on voit comment, en fait, ces résultats scientifiques permettent aux populations du Pacifique de monter des politiques publiques particulièrement bien renseignées et de pouvoir à la fois appliquer sur le terrain ces résultats scientifiques et de monter des collaborations pour être plus efficaces. Cela rejoint tout à fait la présentation de Edward, puisqu'en fait, on voit bien que sans données, aucun projet sérieux ne peut être mis en place. Et donc, ça montre tout l'intérêt pour les organisations scientifiques de bâtir leurs projets sur des données robustes et sur des indicateurs fiables. Je vais maintenant poser quelques questions à nos panélistes pour aller un petit peu plus loin dans leurs exposés, et je vais passer en anglais. Okay, so perhaps beginning with Sony, if you please can tell us why is it important to have a regional framework on scaling up community-based fisheries management, and perhaps if you can come back to your key message that you were showing at on your last slide. Thank you, Claire, for that question. Yeah, it is important in the region to have a CBFM scaling framework. It is important because it firstly it will help our member countries to help assess the current status of community-based fisheries management, and also look at what are some of the priority areas that needs a lot of effort. And also by identifying those priority areas, it will help national fisheries to come up with the strategies that will help scaling up of our community base. Because I mentioned in my presentation, we have some effective community base in the region, but it's in a small pockets. And that small pockets of effective community-based fisheries management, it's not enough to manage our coastal fisheries. So we need to scale up on that. And not only that, the framework will also help the coordinations of our CBFM project in the region, especially SPC working with other partners that are working on this space, also SPC FAME working with our donors in addressing helping the Pacific to scale up community-based fisheries. Thanks. Thank you very much, Sonny, for this answer. I think it will help our people who are listening understand more what you are doing on the field. Perhaps my next question will be to John. So what are the next steps regarding this decision support tool? And what are also some useful data gaps that need to be filled to improve this model? What do you need to go further? You're on mute, John. Okay, sorry. Yeah, I thought I clicked it. So to answer your question,
it is important to test this decision support tool in other parts of the region. So for example, for data such as total suspended sediments in this research, I mean, there are quite a few caveats, but what is one of the good example is when we say water quality in the research, majority of it is, I mean, it's mostly talking about the total suspended sediments as a measure of water quality. But it is also important to take the assumption that there is nutrients with it. And that is a major thing when it comes to that connection, that land-sea connection and sediments going from the land into the sea. I would say there should be more research. And in terms of the useful data gaps, so like this research identified where coral reef areas may be subject to sediment exposure, but it did not explicitly model potential interactions with nutrients, fishing pressure, or climate change and cumulative impacts due to a lack of data and the poor understanding of the processes. So there are a lot of there's a lot of decent research that could be done to see how they interact with each other. So I hope that answers the question. Thank you very much, John, for your answer. Before taking the question raising from the floor, I will ask a question to Clément, and I will switch to French. Clément, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, par nos choix alimentaires, nous pouvons soutenir la biodiversité? Très bien, merci pour cette question. Donc effectivement, cette question soulève aussi un des enjeux qu'on a souhaité traiter, c'est qu'effectivement, si on veut avoir un impact sur le système alimentaire et sur le développement de la transition agroécologique, il ne faut pas limiter nos actions juste au champ, mais essayer d'avoir une démarche du champ à l'assiette. Donc c'est justement de travailler avec les consommateurs, les circuits aussi de distribution des produits agricoles, circuit court et circuit long, pour pouvoir en fait renforcer la présence des produits issus d'agriculture biologique ou de modes de production de type agroécologique pour pouvoir appuyer les agriculteurs qui produisent selon ces modes de production. Donc ça passe quoi clairement? Ça passe aussi par la promotion des plantes alimentaires qui avaient vocation à être un peu délaissées ou peu cultivées et qui sont assez adaptées aux pratiques et aux conditions de nos environnements. Hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer des agriculteurs, on parlait du melon. C'est un exemple où justement, des agriculteurs qui sont dans le réseau commençaient à évoluer sur leurs pratiques, parce qu'ils avaient tendance à faire du melon, ils s'apercevaient qu'ils étaient obligés de faire des traitements avec des produits chimiques pour pouvoir produire à cause des problèmes d'humidité. Et ils sont passés sur des variétés et sur des plantes qui sont moins demandées par le marché, mais qui sont adaptées, donc qui leur permettent de produire sans produits chimiques. Mais par contre, ils ont des problèmes d'accès au marché ou de consommateurs qui ne veulent pas l'acheter. Donc, tout ce volet sur les habitudes alimentaires, sur les circuits de distribution, c'est un moyen également de renforcer l'agroécologie et donc la biodiversité dans les champs. Donc, nos choix alimentaires au quotidien, par les types de produits qu'on achète, comment ils sont produits, et également la variété des plantes alimentaires qu'on consomme, ça permet d'avoir un impact aussi sur la production agricole. Merci beaucoup Clément pour cette réponse. J'avais une question également pour Edouard, mais avant nous allons prendre la question qui a été posée par les participants. Je vais donc passer en anglais. So the question is, what challenges will deep sea mining pose for the development of national and regional frameworks that try to reconcile development with the protection of nature and culture, protection of nature and culture? I will switch to French to answer. Donc, merci pour cette question, qui est une question absolument cruciale pour le Pacifique en ce moment. Je pense qu'il est à peu près évident que l'exploitation minière est une exploitation qui impacte l'environnement, ça c'est absolument évident. C'est pourquoi en fait, avant de se lancer dans ce genre d'exploitation, il faut prévoir en fait un encadrement légal le plus complet possible, permettre en fait de faire des études d'impact environnemental qui soient également le mieux mené possible.
qui s'appuie sur des données qui soient extrêmement robustes, qui permettent de renseigner, de permettre aux politiques de faire des choix. Le principe de précaution qui est inscrit dans beaucoup de constitutions doit bien sûr être le principe qui est derrière toute cette réflexion. Et je voulais citer deux travaux que les organisations régionales ont mis en place récemment de manière à pouvoir accompagner les pays dans ces choix de se lancer ou non et comment dans l'exploitation minière marine profonde. Tout d'abord, la CPS a travaillé sur l'élaboration d'un cadre juridique régional qui permette en fait d'encadrer tous les aspects de l'exploitation minière marine profonde de manière à ce que les pays ne se fassent pas, j'allais dire, exploiter à l'insu de leur plein gré par peut-être des entreprises minières qui n'auraient pas pour principal objectif la durabilité des milieux marins profonds. La deuxième idée qui me vient à l'esprit, c'est les lignes directrices en matière d'études d'impact environnemental qui ont été également élaborées par les organisations régionales et qui permettent ainsi aux pays de proposer un encadrement légal préalable au développement des activités minières qui soit le plus abouti possible. Après, bien sûr, les organisations régionales n'ont pas d'ingérence à faire sur les choix politiques des pays, et ces choix-là sont bien sûr des choix qui appartiennent pleinement à la souveraineté des États. I will switch now to English for a question to Edward. So we are coming to the end of this side event. So please, Edward, can you explain us where are some of the key opportunities for closer integration across SPC's areas of work in order to support biodiversity outcomes? Thank you, Anne-Claire, for the question. There are a number of areas where SPC is currently working and has deep scientific and technology and knowledge and technical support, along with strong relationships with our member countries in areas including water security, for example. There are, you know, increasing efforts to integrate some of the work we have on water security and agricultural production. And likewise, as Clément has demonstrated, agricultural production and biodiversity conservation. So I guess by bringing the knowledge together of our different divisions, this creates opportunities for us to enrich the way that we work. We are also, I guess, seeing increasing demand from our member countries to bring this interdisciplinary approaches to science, to knowledge, to research and to development projects together to address some of the complex challenges that countries are facing. And this is something that's reflected in many countries' sustainable development plans and national policy frameworks. So we are also working and looking at how we respond to our member countries' requests and demands and expectations around these different ways of working as well. Thank you. Thank you very much, Edward, for your answer. I think we are reaching the end of our side event, so I will conclude this side event and then I will move to French. Okay, excuse me. I was just saying that I just said that we are reaching to the end of our side event, and that I will thank all our panelists, and I will have a closing word for this side event. I will move to French. Merci beaucoup donc d'avoir présenté des exemples très concrets
de la manière dont nous collaborons dans nos spécialités sectorielles pour à la fois générer une interaction dynamique qui conduit à des approches extrêmement créatives, des défis du développement liés à la dégradation de l'environnement, au changement climatique et aux catastrophes. Pour illustrer plus avant cette coopération intersectorielle que l'on a vue au sein même de la CPS, je voulais également terminer par un exemple dont la CPS est extrêmement fière. C'est la mise en place du Centre de la Communauté du Pacifique pour les sciences océaniques. Ce centre, en fait, a vraiment vocation à rassembler toutes les informations scientifiques produites par la CPS, notamment par les divisions pêche, mais également par les divisions géosciences. Et pour la première fois, nous disposerons d'un service de ressources centralisées consacré à l'océan Pacifique qui permettra aux 26 États et territoires membres de la CPS de mieux coordonner leurs efforts dans le domaine des sciences océaniques en s'appuyant sur l'expérience et les connaissances disponibles dans toute la région. Ce type d'expérience qui a été validé par les leaders du Pacifique complète parfaitement l'exemple qui avait été donné par Edouard en début de présentation sur la plateforme des données océaniennes. Le Pacifique est vraiment caractérisé par une certaine fragmentation et les données sur l'Océanie ont longtemps fait défaut dans les rapports internationaux. Et cette lacune est vraiment importante à combler et elle sera en partie comblée par ce Centre pour les sciences océaniques et par la plateforme des données océaniennes. Donc, je remercie vraiment tous les participants à ce panel. Je remercie tous mes collègues d'avoir bien voulu jouer le jeu d'être présents pour ce side event et je vous souhaite une bonne après-midi.